Bonjour, nous sommes le jeudi 18 octobre, c'est la Minute Actu. La traque continue aujourd'hui pour retrouver le meurtrier d'un gendarme de 52 ans, volontairement percuté et tué hier après-midi près de Nice. 120 gendarmes recherchent ce fuyard, un voleur de voiture. Ce matin, l'enquête a pris une nouvelle tournure, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie essayant de faire parler le véhicule. Nouvelle caisse sociale en prévision, l'équipementier en télécommunications Alcatel-Lucent, en grande difficulté, a confirmé la suppression de 5490 postes dans le monde, dont 1430 en France. Alors que la Grèce est de nouveau le théâtre ce jeudi de manifestations contre l'austérité qui ont fait un mort, au même moment, Angela Merkel met les pieds dans le plat. Peu avant l'ouverture du sommet européen à Bruxelles, la chancelière allemande a réitéré l'idée qu'un commissaire européen puisse rejeter le budget d'un État membre de l'Union européenne s'il viole les règles communes. Un éventuel droit de veto qui ne va pas arranger les relations déjà tendues avec François Hollande. Pour relancer les naturalisations d'étrangers, Manuel Valls veut supprimer les critères les plus discriminants à l'origine de près de 70% des refus, selon le ministre de l'Intérieur, qui fut lui-même naturalisé français à 20 ans. Manuel Valls a donc confirmé la suppression des QCM sur l'histoire ou la culture française, ainsi que la levée de l'obligation de détenir un CDI pour devenir français. Et le premier médaillé olympique français de ski alpin, Émile Allais, s'est éteint hier soir à l'âge de 100 ans. Avant de devenir champion du monde, le skieur de Megève, à qui l'on doit notamment la première méthode des virages ski en parallèle, avait décroché sa toute première médaille au JO de 36 sous les yeux d'Hitler. Je vous retrouve demain, même heure, pour une nouvelle Minute Actu.